Bonjour les loulous, je suis toujours à Washington, ici dans le musée de l'air et de l'espace. Vous voyez derrière moi la capsule Apollo 11, celle qui est revenue du voyage sur la Lune, avec le Spirit of Saint Louis juste derrière moi, et puis bien entendu toutes sortes d'avions. Et tout ça, ça m'a donné envie de faire une vidéo pour vous, de la conquête spatiale, la conquête de l'air. L'homme a toujours été curieux, a toujours voulu explorer, et ça me pousse à vous demander, vous, jusqu'où allez-vous pour explorer vos limites? Jusqu'où allez-vous pour vous dire, demain, je vais faire un pas supplémentaire pour aller au-delà de mes limites? Car c'est ça qui fait arriver jusqu'à la réussite, c'est de faire ce petit pas supplémentaire qui vous permettra d'arriver, en effet, ici, littéralement, dans les étoiles. Et là j'arrive dans un endroit où il y a les fusées. Voilà. Qu'est-ce qui vous pousse à aller plus loin? Si vous n'avez pas de réponse, cherchez-en une d'urgence. Parce que si vous n'avez pas de défi, si vous ne poussez pas vos limites un peu plus loin, vous aurez demain la même vie qu'aujourd'hui. Vous aurez après-demain la même vie qu'hier. Et en fait, vous risquez de dire que votre vie n'est pas intéressante, comme il m'arrive souvent d'entendre dire dans mon entourage. Voilà, je vous en fais un petit peu profiter. Je vous emmène un peu avec moi. Mais j'avais envie de vous laisser ce message-là. Allez chaque jour un peu plus loin. Reculez chaque jour un petit peu vos limites et vous vous épaterez, vous vous étonnerez et puis vous ne vous ennuierez jamais. Allez, je vous dis, soyez heureux, simplifiez-vous la vie et à très vite.